Pour moi, il y a deux catégories de bénévolat. D'abord, il y a le bénévolat fait par des gens qui veulent se consacrer à une cause en particulier. Que ce soit toute catégorie de causes là-dedans, le bien-être du monde, aider les malheureux, ou que ce soit sportif, ou encore comme ce qui me concerne moi dans le temps, c'est la question patrimoniale. Cette catégorie-là, ce sont des gens qui donnent tout simplement par intérêt, par goût. Puis vous avez l'autre catégorie de bénévoles, qui pour moi est tout aussi valable, mais qui n'est pas engagée de la même manière. Ce que j'appelle les bénévoles en étape de carrière. Autrement dit, vous avez beaucoup de gens qui sont rendus aujourd'hui à des postes relativement importants et qui ont gravi les échelons en se faisant connaître d'abord par du bénévolat dans différentes catégories. Je mentionnerai entre autres une personne qui est assez locale, M. Fournier, qui a été un des bénévoles à l'origine de la radio communautaire, CHAIMF, et qui pour lui a été un cheminement de carrière où on l'a vu aller et là où il est rendu aujourd'hui là-dedans. Pour moi, quand je dis ça, ce n'est pas de déprécier la valeur des engagements de ces personnes. C'est de dire que on y va comme une étape. Tandis que d'autres bénévoles y vont plutôt comme une fin. Quand je me suis engagé dans les questions patrimoniales, c'était d'arriver à réaliser quelque chose. C'est ce que j'ai essayé de faire. Le bénévolat, c'est donner du temps. C'est s'engager dans nos intérêts aussi au service de la communauté. Je pense qu'un individu a quelque chose à y gagner aussi. Ça peut être très, très valorisant. Et la communauté a aussi à y gagner. Donc, c'est une question de conditions de vie de tous les citoyens aussi. Le bénévolat, c'est une grande chose. C'est autant que du point de vue de la personne qui fait le pas vers le bénévolat que l'organisme ou que l'entreprise. Parce que le bénévolat, ça apporte beaucoup de choses. C'est pas de l'esclavage, c'est pas de l'exploitation. Du bénévolat, pour en parler de mon côté, moi, quand j'ai débuté à CHI, j'ai fait plusieurs années de bénévolat. J'ai commencé... Il faut avoir une volonté, il faut avoir le goût de s'investir dans quelque chose, il faut avoir une raison d'y aller, aller chercher quelque chose. Donc, c'est sur le plan humain, à mon point de vue, c'est très gratifiant, c'est donner, puis de donner du temps. Mais en même temps, on va être honnête, on ne donne jamais rien pour rien, on va toujours chercher quelque chose pour soi-même. Donc, c'est de l'expérience, c'est des bagages. Et puis en même temps, je pense que c'est un peu ça. Donc, le bénévolat, c'est un exercice qu'on fait sur une base volontaire. Et si ça nous amène quelque chose... ailleurs. Ça nous amène certainement un bagage d'expérience qui nous amène ailleurs. Parfois, on peut rester plusieurs années là. Parfois, on réussit, comme dans mon cas, à se créer une job, à se tailler une place. Puis après ça, on peut passer au suivant. Puis, pour l'entreprise, c'est un peu ça aussi. Je pense que c'est une ouverture pour une entreprise ou un organisme. Le bénévolat, c'est le cœur, c'est le moteur même de tout organisme à but non lucratif. Et être bénévole, c'est pas nécessairement dire d'offrir de son temps à la légère, parce que ça comporte des responsabilités, de la fierté, puis de l'engagement. Puis ça, c'est des valeurs, peu importe ce qu'on fait, là, on peut faire du bénévolat dans n'importe quel organisme, puis ça apporte beaucoup, puis c'est à la communauté. Donc, je pense qu'il faut que ça colle avec nos valeurs à nous, ce qu'on cherche. Il y en a encore des jeunes qui vont faire du bénévolat dans n'importe quel organisme qu'on a dans les régions. Puis, moi, je trouve que ça apporte beaucoup. Puis c'est un bien nécessaire. Je me suis impliqué dans différentes organisations dans ça. Là-dedans, c'est assez différent. Vous pourrez s'y chatouiller. Il y a eu la question de la Maison des Jeunes où j'ai été actif
assez longtemps. Et la question de la vie paroissiale, où j'ai participé au fonctionnement de la vie de la paroisse, ça a été le domaine de bénévolat. Je mentionnais tout à l'heure CHAIMF, où j'ai été aussi bénévole au niveau du conseil d'administration. Je n'ai pas fait de radio, mais j'étais au niveau de l'administration de la station pendant quelques années. Et il y a eu le bénévolat qui a pris le plus de mon temps, cette question de la société du musée du Grand Châteauguay. En soi, qui a commencé avec rien et qui a cru lentement. Donc on parle de la maison Le Pailleur ici. On parle de la maison Le Pailleur ici où nous sommes, qui, dans mon cas, a été plutôt une fin. C'est que la société du musée a commencé à exister avec rien. C'était tout un groupe de gens bénévoles intéressés à sauvegarder le vieux patrimoine de Châteauguay, dont peu de gens s'occupaient, dont beaucoup de gens se préoccupaient, mais il n'y avait pas d'action qui se faisait pour cet organisme-là. Alors, il y a eu un groupe de citoyens de Châteauguay qui a voulu créer la Société du musée. Alors, ce groupe a fait comme travail l'incorporation, l'obtention d'une charte. Et pour plusieurs, ça semblait, enfin j'ignore exactement les motifs, mais ça semblait plutôt être la fin. La charte obtenue, ils n'ont pas continué véritablement à s'occuper de la question patrimoniale. Alors, à ce moment-là, il y en a un du groupe qui m'a contacté, qui m'a demandé si je serais intéressé éventuellement à travailler, à mettre en place cette société qui existait en théorie, mais pas en pratique. Alors, je suis arrivé, on a réussi à recruter un groupe différent du groupe original, moins une personne dans ça. Et nous avons commencé avec cette charte-là, à dire qu'il nous faut des réalisations. Il nous faut arriver à avoir un endroit à Châteauguay où on aura pied à terre. Et il n'y en avait pas. Dans ça, le premier regard qui a été fait, ça a été sur la maison Gravel, la voisine de la maison Le Pailleur, qui était à l'origine le lieu qui semblait intéressant. Mais après analyse, c'était pas un bon endroit pour nous, dû à principalement les dimensions de la maison. C'est très petit pour faire un organisme comme un musée là-dedans. Et en plus de ça, le piètre état de la bâtisse qui aurait nécessité des sommes énormes pour être vraiment mis en état d'être réutilisé. Alors là, on a regardé du côté de la maison Le Pailleur, qui était propriété de la famille Molson à l'origine. Il avait racheté des propriétaires originaux, Le Pailleur et tout ça. Là, je ne referai pas l'histoire, je ne la sais pas de mémoire de toute façon. Mais il avait racheté cette maison parce que le vieux sénateur Molson, c'est un homme qui voulait sauvegarder les anciennes maisons du Québec et même du Canada. Il en a racheté plusieurs à travers la province, à travers le pays, dont Le Pailleur. Mais probablement avec l'âge, il n'a pas pu continuer à vouloir réaliser son œuvre. Et la maison Le Pailleur a été, c'est-à-dire elle a été, nous avons demandé à la Fondation Molson de nous céder cette maison-là pour un loyer modique, ce qui n'a pas fonctionné. Et par la suite, grâce à l'appui de la ville de Châteauguay, dans le temps, avec Jean Bosco Boursier, qui était le maire du temps et qui était fort intéressé au patrimoine,
C'est un petit gars de Châteauguay, alors il s'y intéressait. La ville de Châteauguay a réussi à acquérir la maison Le Pailleur et par la suite nous en donner la responsabilité, la gestion, l'administration et le fonctionnement. Pour tout faire ça, ça a pris 10 ans là-dedans. Pendant ces 10 années-là, la Société du Musée, le groupe, nous avons organisé des expositions dans différents locaux de Châteauguay, dont, entre autres, l'École modèle, qui est encore un actif de la ville de Châteauguay, qui est une ancienne école de village. On en a fait au Centre culturel, qui était assez bien couru par la population. On organisait aussi des conférences à caractère historique, ça, qui intéressaient les gens dans les milieux, dans les endroits où nous pouvions avoir de l'espace. Alors, ces 10 années-là ont été consacrées surtout à des activités de ce type. Et dans mon but, lorsque j'étais à la Société du Musée, je m'étais donné comme objectif d'arriver à avoir un musée, une place là-dedans. Et après 10 ans, on a réussi à obtenir ici la maison Le Pailleur. Alors, mon but était atteint. Ça a été à peu près les dernières années. Là. Après ces 10 années-là, j'ai continué pendant 3 ou 4 ans à m'occuper de la société et je me suis retiré parce qu'à ce moment, on était rendu à avoir des gens, une équipe assez intéressante apte à continuer le travail. Et on voit que le travail s'est très bien continué. Moi, ma rencontre avec Jeannot Saint-Onge, c'est M. Saint-Onge était membre du conseil d'administration de CHI jusqu'en 98, si ma mémoire est bonne. Sinon, la sienne va l'être, ça c'est sûr. Il va pouvoir en témoigner. Alors, moi, j'ai au début débuté en tant que bénévole, donc je l'ai rencontré à ce moment-là, et puis je l'ai rencontré par la suite quand j'ai siégé à la direction, au conseil d'administration. Alors, j'ai eu affaire à me mesurer à la rigueur et à l'intensité de Jeannot Saint-Onge. Les échanges ont tous été fort intéressants. C'est un monsieur fort intéressant. Si vous voulez qu'on développe là-dessus, sur l'exercice de M. Saint-Onge, c'est un homme qui est rigoureux. C'est un homme qui est droit, qui est très réfléchi, songé, cartésien. Je dois vous avouer que quand il l'a quitté en 1998, c'était triste parce que j'ai appris beaucoup de choses. De M. Saint-Onge. D'ailleurs, il était secrétaire du conseil d'administration. Alors, on a appris à tenir nos penderies bien en ordre et bien à l'heure avec lui. Dans le bénévolat, le moment qui a été peut-être le plus émouvant, qui m'a le plus ému là-dedans, c'est la journée où la ville de Châteauguay nous a remis la maison Le Pailleur. Parce que c'était, quand j'ai commencé avec la Société du Musée, c'était pour arriver à avoir un pied à terre, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et pendant 10 ans, on a cherché, on a eu différents contacts. Entre autres, on est allé rencontrer la Fondation Molson pour essayer de les convaincre qu'on était un groupe sérieux et qu'on pouvait réaliser des choses. Là-dedans, on a eu différentes rencontres avec les représentants municipaux pour qu'on ait leur appui. On essayait, par différents moyens, de sensibiliser les gens à toute la situation du patrimoine dans Châteauguay. Parce qu'on a beaucoup de richesses patrimoniales qui
qui ne sont pas exploités, ne sont pas connus. Il y a eu beaucoup d'améliorations de ce côté-là. Il y a eu beaucoup de choses. Je prends simplement la mairie de l'autre côté de la rivière, qui était un vieux couvent qu'on oubliait, auquel on ne pensait pas, et qui a été remis en vedette grâce à sa transformation actuelle. C'est un élément de patrimoine qui a été sauvegardé. Ici, la maison Le Pailleur a été améliorée de beaucoup par rapport à l'état dans lequel on l'a pris, parce que c'était pas quelque chose de très, très beau à voir quand on l'a pris. C'était plus style taudis, dans le temps où les principaux habitants étaient les chauves-souris. On avait beaucoup de chauves-souris. Je sais pas s'il en reste, mais on a eu beaucoup de difficultés à se débarrasser des chauves-souris. On sait jamais d'où ils proviennent. De mémoire, pas particulièrement, mais je vois quand même... Sinon, quelque chose qui reste ou quelque chose... Ben, c'est l'intensité de M. Saint... Quand je parle d'intensité, c'est pas quelqu'un de colérique, là. Quelqu'un de réfléchi, de très, là. Puis parfois, c'est... Moi, je suis quelqu'un de brouillon, un peu, là. Puis on fait ça, puis on... ça doit vraiment... Ben, c'est difficile de s'adapter. Puis c'est d'essayer de voir plus loin, de se forcer. Je pense que c'est chaque moment que j'ai passé avec M. Saint-Onge dans un conseil d'administration. Je parle pour moi, puis je pense même que les membres qui étaient là aussi à l'époque là, seraient d'accord avec moi. Chaque moment passé avec M. Saint-Onge, c'est des moments précieux, intenses, parce que ça nous amène, ça nous amène tout le temps à aller plus loin, d'être réfléchi. Moi, je veux dire, il n'y a pas de moment particulier. Il y a toujours eu des moments où c'était plus pointu, qu'on avait des décisions importante à prendre, puis que là, il fallait sortir du jus de cerveau. Là. C'est là que M. Saint-Onge, entre autres, avec le reste, se démarquait. Moi, je trouve que c'est important, oui. Est-ce qu'il faut sentir l'appel? Faut l'essayer. De toute façon, ça coûte rien que du temps. Puis, je crois que ça vaut vraiment le coup d'essayer, de donner du temps. On n'est pas obligé de... C'est pas un mandat à vie, là. Tu essaies des trucs, puis tu peux te prendre dans plein d'organismes. Puis, c'était des... Comme je l'ai dit tout à l'heure, on essaie plein de choses différentes. Puis, je crois que c'est un bien nécessaire. C'est un retour à la communauté. C'est souvent, on va trouver des gens qui vont être peut-être en poste de décision dans les conseils d'administration, parce qu'ils redonnent, c'est des entrepreneurs, puis ils donnent du temps, puis il y en a qui vont donner des sous. Mais tu sais, comme individu, je pense qu'on en a de besoin, ces gens-là. C'est peut-être de plus en plus rare. Peut-être que le bénévolat a pris une forme peut-être aussi plus pointue. On essaie plein de choses, mais les organismes maintenant qui répondent à des demandes très précises dans la société, là, si on va prendre des organismes comme la Rencontre Château-Gouasse ou tout organisme qui a des interventions sociales, bien, il y a une partie que les gens doivent avoir, ils vont de bonne foi, mais il y en a qui ont des besoins très, à mon point de vue, pointus, puis c'est peut-être plus engageant peut-être, mais je crois que oui, c'est nécessaire, C'est un bien nécessaire que les gens s'impliquent, que les organismes ont besoin. Il y a des gens au bout de l'exercice qui en ont besoin. Et c'est pour ça que les organismes sont là, puis ils ont besoin de ressources humaines. Oui, je crois que c'est important de s'impliquer. Le bénévolat, c'est une richesse qu'il faut absolument conserver là-dedans. C'est un travail qu'on a face aux bénévolat, je pense qu'il y aurait beaucoup de travail à faire auprès des jeunes. Parce que quand vous regardez les bénévoles dans la plupart des organismes, vous voyez beaucoup de têtes blanches. D'autres qui ne sont pas blanches, mais qui ne sont pas loin de l'être. Que ce soit dans le domaine du sport,
partout, dans le domaine culturel, dans les différents domaines. C'est plus les gens d'un certain âge qui sont sensibilisés à la question du bénévolat. Mais ce bénévolat, c'est que en bénévolat, on réussit à faire quantité de choses qui ne seraient pas faites autrement parce que ça demanderait du financement. Et on ne peut pas toujours avoir du financement de sources d'État, municipal, provincial, fédéral, pour toutes sortes de mouvements, pour toutes sortes d'organisations, en sachant pas toujours jusqu'où il y a beaucoup de sérieux là-dedans, parce que vous regardez beaucoup, souvent vous allez voir des organismes bénévoles qui commencent et qui ne durent pas longtemps. Parce que, je sais pas, on manque de ressources, tant humaines que financières, là-dedans. Alors, le bénévolat permet de faire vivre beaucoup d'organismes là-dedans. La société du musée, s'il n'y avait pas eu du bénévolat au départ, n'aurait pas existé, n'aurait jamais été créée, parce que on n'est pas dans une situation où on pense investir des fonds publics dans des organismes semblables. Aujourd'hui, ici à Châteauguay, les fonds publics sont sensibilisés et aident grandement à ça. Mais là encore, il y a beaucoup de bénévoles qui sont associés à cet organisme pour le faire fonctionner. Je pense que c'est un élément essentiel dans notre société d'avoir du bénévolat pour prendre certaines causes en charge. Au moment où nous avons vu venir le temps où nous serions dans la Maison Le Payeur, il y a certaines personnes au sein du groupe qui ont paniqué, qui ont eu peur, parce que nos débuts, on fonctionnait avec des budgets. Quand on avait 1000 $ par année, c'était un gros budget. Alors, quand on a eu à penser à prendre charge d'une propriété comme ici, d'en être les administrateurs, avec des budgets beaucoup plus importants à gérer et pour lesquels nous n'avions aucun revenu connu. Alors, il y a des gens qui ont dit, on s'en va dans un néant, on n'arrivera pas, on va faire rire de nous autres. Ça se peut pas qu'on continue ça. Ça n'a pas été la majorité, 2 ou 3 personnes là-dedans, qui ont laissé. Mais les autres sont continués, convaincus qu'il y aurait des moyens. On ne les connaissait pas. Et il semble qu'il y a eu des moyens valables, parce qu'après tant d'années, c'est toujours là, puis ça fonctionne toujours. Pour ce qui avait été la crainte au début de l'implantation de la maison à cet endroit-là, comme aux autres endroits, remarquez bien, parce que quand il en a été question, le voisinage du cimetière, les rues résidentes à l'arrière et la rue principale sont venus demander à la paroisse de ne pas autoriser la maison des jeunes là. Et finalement, au niveau de la paroisse, c'était une cause difficile à laisser tomber. Une paroisse qui, pour le bien du monde, pouvait quand même pas dire « on met les jeunes dehors ». Alors, la paroisse a réussi à ce moment-là à implanter. Quand je suis parti, moi, je suis parti, j'avais réussi à trouver du personnel pour me remplacer. En ça, des gens aptes à faire un très bon travail pour continuer le mandat. Sur ces tons, je tiens à vous remercier énormément pour ce que vous avez amené à CHAI.
Évidemment, à tout ce que vous avez été impliqué et déjà, comme vous, ben, sont essentiels. Voilà le sens même du bénévolat. Alors, je vous donne un coup de chapeau et continuez.